T'es toujours fâchée? Oui, je te boude. Tu m'as laissé enfermée dans ta voiture pendant que tu te faisais couper les cheveux. Ouais, mais quand je suis passé devant, il y avait marqué moins 20% pour les hommes, alors je me suis dit... Ouais. Je sais pas, on va pas se gâcher la soirée, on va pas rester là-dessus. Ouais, on a qu'à sortir. Ouais, bonne idée. Ouais. Attends, ouais, bouge pas. Pour me faire pardonner, je lui dis, bah vas-y, choisis. C'est toi qui choisis ce qu'on fait ce soir, tu vois. Ah, t'as eu le droit au ballet? À l'opéra? Bah ouais, comment tu sais? T'es super fort. Tu sais, ta mère m'a déjà fait le coup. Il y a un super ballet au Grand Théâtre, j'ai trop envie de le revoir. Ça dure 4 heures, c'est magnifique, c'est entièrement joué par l'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg. C'est génial, c'est fabuleux, tu vas voir. Attends, je réserve, hein. Ah, c'est complet. Aïe, aïe, aïe. Ah, oh, ah, la tuile. Ah ouais, on aurait dû réserver largement avant. Ah oui, mais bah, c'est normal, les gens, ils vont voir le truc de Saint-Pétersbourg. Si, je te jure, il avait l'air emballé. John, emballé par un ballet? Oui, il était emballé par un ballet. Qui dure 4 heures, t'es sûr? Bah, écoute, il aime pas que le foot et Koh-Lanta. Non, c'est vrai, il y a les jeux vidéo aussi. Ouais, t'as peut-être raison. Non mais quand je lui ai proposé d'aller à un vernissage, tu sais ce qu'il m'a répondu? Ah, c'est au Chartron? Ouais. Ah non mais attends, le temps qu'on parte d'ici, ouais. On prend la voiture, on y va, il faut trouver une place pour se garer, on va arriver, il y aura plus rien à manger. Et tu penses qu'à bouffer ou quoi? Non mais si on y va, c'est pour découvrir un artiste, tu vois, hein? C'est pas pour se goinfrer. T'as toujours des petits fours vachement bons, tu sais, genre des petits trucs en triangle, tu sais, on a qu'à aller au resto, cherche les restos. Non, j'ai pas très faim. Tu sais ce qu'on peut faire? Je m'en occupe. Ouais. Petit plateau repas, ouais. Et là on se loue un truc en VOD à la télé. D'accord. Non, la VOD, papa, c'est pas une sauce. C'est en fait la vidéo à la demande, tu sais, sur la box, à la télé. Tu sais, tu peux regarder les films que tu veux. Ah oui, vous avez regardé un AV. Non, on a pas vraiment regardé un AV, en fait. En fait, on a même pas vraiment regardé un film. Je sais pas, celui-là? Bah ouais, vas-y, on voit la bande-annonce. Ah ouais. Ah ouais, la bande-annonce. Ouais. Oh. Tu n'importe quoi. Pas Jennifer Aniston. Non, pas Jennifer Aniston. Vous avez pas été au ballet, vous avez loupé le vernissage et vous avez fini par scotcher devant des bandes annonces. C'est vrai que c'était mal barré, hein. Mais finalement, il a eu la bonne idée. Mais et on va faire des shopping à cette heure-là à Rive d'Arsin? Ouais. Avec des chaises pliables. Regarde. Hein? Allez, viens, on y va. C'est par là. Mais on va où, Jonathan? Par là. Je l'emmène au cinéma. Y a pas de ciné ici? Non. Enfin, si. Une fois par an. En fait, Rive d'Arsin organise un cinéma en plein air. Ah, pas mal. C'est parfait, mon chéri. Tu vois que j'ai bien fait de te laisser enfermer un peu dans la bagnole. Tu sais que le film dure 4 heures. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, je déconne.